Et en fait, ce qui m'a attirée, c'est parce que je dirige une petite association qui accompagne les autres associations. Et qu'il y avait pas mal d'écolieux et de tiers-lieux qui venaient me chercher pour les aider. Ben, du coup, je me suis dit qu'il fallait que je m'outille un petit peu mieux. Donc, c'est surtout pour ça que je suis venue au début. J'ai trouvé ça intéressant, le côté session en ligne, d'avoir la possibilité d'accéder à ton propre rythme. Et j'ai pu revoir les formations, refaire les préparations après, ou même carrément me dire, ah tiens, pour eux, je vais utiliser tel outil, et donc d'aller chercher l'outil, de l'utiliser, de l'expérimenter. Et vraiment, ce que je venais aussi chercher avec le réseau Oasis, c'était le réseau, justement. Comment, moi, je mobilise mon réseau pour apporter à ce réseau-là, dans le faire autrement et la sobriété. Ce que j'ai trouvé génial, c'est que j'ai eu l'occasion de choisir trois lieux très différents. Il y en a un qui nous a très fort travaillé sur le modèle économique, je trouve qu'ils sont allés très loin dans le modèle sociétal. Les autres collectifs, il y en avait d'autres qui étaient tournés autour de familles, de choses plus nucléaires, qui ressembleraient peut-être plus à ce que nous, on pourrait faire. J'ai emmené toutes mes petites familles faire les immersions. Et ça, c'était vraiment fort. Tout le monde a participé, même les enfants, même mon conjoint. Je pensais qu'il n'allait pas le faire au début et il l'a super bien fait. Alors la suite pour nous, ça va être de continuer à travailler avec ce réseau, continuer, je pense, sans doute à avoir d'autres écolieux et à travailler avec d'autres écolieux.